C'était une fois, voilà bien longtemps, un dénommé Jonas habitant un petit village au nord d'Israël. Étant alors tout jeune, il lui arriva quelque chose qui le rendit fou furieux. Quoi? Vous allez le voir. Les Assyriens attaquent le village. Oh non! Vite, grimpez à l'échelle! Jonas, où vas-tu? Où vas-tu? Ils vont tuer mes oiseaux! Pas de temps à perdre! Dépêche-toi! Mort aux Israélites! Allez-y, je descendrai après vous. Tu ne peux pas descendre avec la cage. Je veux les sauver. Non, suis ta mère et ne discute pas. Sauvez-vous. Sauvez-vous, mes colombes. Sauvez-vous à tire d'aile. Descends. Adieu. Les Assyriens sont des bandits. Les années passaient, mais rien ne changeait. Les Israélites subissaient les mêmes persécutions. Pourquoi, Dieu, pourquoi? À longueur d'année, les Assyriens réduisent nos villages en cendres, ne laissant derrière eux que du sang et des larmes. Ah, et voilà tout ce qui reste de la bergerie de Sarah et de Malachi. Jonas, c'est notre bergerie qu'ils ont détruite, pas la tienne. Alors arrête de ruminer et viens manger. Mais Malachi, regarde-moi ce désastre. Je commence à en avoir par-dessus la tête de voir ça, pas toi? Si vous continuez à traîner, c'est le ragoût qui va brûler. Ne te fâche pas, Sarah, on arrive. Toi, au moins, tu as réussi à échapper aux Assyriens, la petite biquette. Ah, je leur ferai voir un jour ou l'autre. Tu n'arrêtes pas de le répéter. Mais ça ne résoudra rien. Oh, Sarah, comment peux-tu dire ça? Oublierais-tu le mal qu'ils nous font? Je n'ai pas envie d'en parler. Maintenant, on mange. Goûte-moi ces oranges, ça vient de Jaffa, de bateaux de Tarsis chargés de fruits et d'épices. Jaffa? C'est presque le bout du monde pour nous. Comment as-tu fait pour que ça arrive aussi frais? J'ai mon petit réseau de fournisseurs. Mangez au lieu de parler. Bien, madame. Tu as raison, Jonas. Il faut éliminer les Assyriens avant que ce soit notre tour. Je vais te dire une chose qui va sûrement te plaire. Hein? Non. Et je ne veux pas mourir comme mon pauvre père sans avoir eu la consolation de goûter à la vengeance. Qui ça peut être? Silence! Chut! Entrez! Jonas? Oui, c'est moi. Je veux me joindre à vous. Moi aussi, j'ai envie de chasser les Assyriens. Sois le bienvenu, Jonas, fils d'Amitai. Dieu te bénisse, toi et les tiens. Oui, bon, vas-y.
Notre plan est bien construit, mais on ne peut pas vaincre tous les Assyriens d'un seul coup. Il nous faudrait un grand nombre d'alliés. Ils forment un vaste et farouche empire. Et n'oublions pas les Ninivites. Ce sont les Assyriens. Les Ninivites, ce sont les pires. Toute la ville de Ninive est corrompue. Oui, Ninive, l'ennemi juré. Rendons grâce à Dieu, le nôtre. Oui, nous n'avons qu'un seul Dieu et il est avec nous. Ninive était la capitale de l'Empire assyrien. C'était une grande ville située au nord du village de Jonas, en Judée. Vous les avez anéantis jusqu'au dernier ? Oui, votre Altesse. Aucun survivant, aucun, pas un homme, pas une femme, pas un enfant, pas une bête n'a été épargné. Même toi, si tu le voulais, tu m'échapperais. Tu es le meilleur capitaine de mes armées. Fier de servir votre majesté. Sale bête ! Jonas! Mais qu'est-ce que... Bon, ça suffit comme ça. Allez, montre-toi! Me voici. Hein? Dieu? Oui, Jonas. Mais c'est pas possible. Je dois sûrement rêver. Non, tu ne rêves pas. C'est moi. Excusez-moi, monsieur, mais qu'attendez-vous de moi? Je suis votre très humble serviteur. Va dire aux habitants de Ninive qu'ils seront anéantis à moins qu'ils ne changent leur conduite coupable. Jonas ? Jonas, tu entends ce que je te dis ? Oui, 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 monsieur. Excusez, je suis tellement ému. Je sais que c'est inattendu, mais réponds quand je te parle. Non, monsieur. Je veux dire... Oui, monsieur. Tu dois les mettre en garde, Jonas, ou ils seront anéantis. Es-tu prêt à le faire ? Oui, monsieur. Oui, j'y suis prêt. J'y suis prêt. Ah, merci, mon Dieu. Merci d'avoir répandu votre lumière sur moi. J'ai été choisi par Dieu. Attendez là. C'est trop beau pour être vrai. Je suis l'élu de Dieu. Yahoo! Notre Dieu a jeté son dévolu sur moi pour avertir les gens de Ninive. Que j'avertisse le peuple? Mais ces gens-là méritent d'être anéantis. À moi avec tes branches idiotes. Ninive. Je ne peux pas. Moi, courir avertir l'ennemi, c'est trop me demander. C'est contraire à mes convictions. Oh, que vas-tu faire, pauvre Jonas ? Chère Sarah, Malachi, ami fidèle, qui sait si nous nous reverrons un jour ?
Veille sur eux, petite Piquette. Avertir. Ninive, anéantie. Anéantie. Ah, Jaffa, c'est encore loin? Au moins deux bonnes journées de route. Le Seigneur s'en va à Jonas, le chargeant d'un lourd fardeau. Prévient Ninive, puis se prélasse dans la boue comme des pourceaux. S'ils ne changent pas leur façon d'agir, je vais les anéantir. Le roi, la reine et toute la ville vont courir de grands périls. Jonas se posait des questions, il adorait son dieu. Mais Ninive avait détruit leur maison, ça l'avait rendu furieux. Oh, pourquoi Dieu m'a-t-il choisi pour relever ce défi? Si je ne fais pas ce qu'il m'a dit, je serai un homme maudit. Oh, Jonas, Jonas, entends sa voix, fais appel à ta raison. Sinon, tu te retrouveras dans le ventre d'un très gros poisson. Sinon, tu te retrouveras dans le ventre d'un très gros poisson. On va passer la nuit dans cette auberge. Tu ne peux pas échapper à Dieu, Jonas. Je ne fuis pas. C'est à moi que tu parles? Hein? Non, je parle tout seul. La voilà, cette fameuse ville de Jaffa. Porte ouverte sur le monde. Il faut descendre à pied jusqu'en bas. Bonne chance en Tarsis! Salut à toi. Je cherche un bateau qui irait en Tarsis. Juste là-devant, prêt à parier. Tu fais voile pour Tarsis avec nous? Tarsis? Oui. Puisse Vishnu faire que notre traversée soit bonne. Vishnu, le puissant Vishnu, nous conduira où il le jugera bon. Nous les vendons en Tarsis, excellent rapport. Oh, leur couleur est une pure merveille. J'avais des colombes étant petit, mais hélas... Hélas? Elles se sont envolées. Salut, vieux frère. Bienvenue sur le meilleur des navires. Ce bateau tient bien la mer? Disons tant que la mer le tient. Elle est bonne, non? Quelle étrange palette de personnages venus des quatre coins de la terre. Et toi, d'où viens-tu? De Judée, terre d'Israël. Moi, je viens du cœur de l'Afrique. Bien que nous soyons d'origine différente, nous travaillons main dans la main sur ce bateau. Parez à envoyer, capitaine! Larguez les amarres! Commence, mais la traversée sera longue. Non, merci. Oh, je suis mort de fatigue. Je vais descendre m'allonger. Prends une bonne nuit de sommeil, ça te remettra. Thank you.
faim. Finissez vite de manger. Venez bon. Pour Jonas, on était trop, il préfère à s'éloigner. Pensant qu'en fuyant l'ordre d'en haut, il serait quand même digne de Yahvé. Par le désert jusqu'à la mer, plein ouest il vogue. Se disant en Tarsis, j'espère me tirer cet embarras. Oh Jonas, Jonas, sans ton savoir, fais appel à ta raison. Sinon, tu te retrouveras dans le ventre d'un très gros poisson. Sinon, tu te retrouveras dans le ventre d'un très gros poisson. Le vent va arracher la croix. Ton fichier vient à notre secours. Vishnu vient à notre secours. Onumbote vient à notre secours. Il faut jeter du lest par-dessus bord, sinon on va sombrer. Où est Jonas? Nous avons besoin de tout le monde. Il était fatigué, il est allé dormir. Dormir? Allez debout. Allez debout. Il n'est pas le moment de dormir. Oh. La tempête fait rage. Allez, remonte. On a besoin de toi pour être unis dans la prière. Allez, va! Oh! Oh, Isséa! Tout à l'eau! Oh, Dieu de miséricorde, ayez pitié de nous! Délivrez-nous de la tempête! Que votre volonté soit faite! Les dieux doivent vraiment en vouloir à quelqu'un sur ce bateau. Sûrement pas à moi. Il faut chercher à savoir qui c'est. Oui. Il n'y a qu'à tirer au sort. J'ai tout ce qu'il faut. Chacun devra tirer une paille. Celui d'entre nous qui tirera la plus courte sera le coupable désigné. Vous voyez, ce n'est pas moi. Moi non plus. Toi, l'homme aux colombes, tu n'as pas tiré au sort. Tire une paille. Ce sera moi. Le sort a voulu qu'il en soit ainsi. Nous allons tous périr si vous ne me jetez pas par-dessus bord. Non, on ne peut pas faire ça. Il le faut. Sinon, nous serons tous engloutis par les flots. On va tenter de s'approcher des rives et on le laissera là. Oh, Ispiéo, rendons les flots. Pietra l'antibord, Pietra la babord. Sous mon père et sous mon corps. Thank you.
et nous ne voulions pas le jeter par-dessus bord. Son dieu doit être tout-puissant pour commander les vagues et le vent. Prions tous pour Jonas, où qu'il puisse être. Regardez, une colombe. Chez nous, c'est excellent signe. Son dieu doit être un dieu de grande miséricorde. Croisons un vieux de la vieille qui a passé des années dans cet endroit infect. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Tu n'es que mon simple reflet. Tu me suis comme une ombre. Ah bon? Tu en es sûr? J'étais exactement comme toi en arrivant ici. Aussi beau garçon que toi. Ah. Oh. 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 À ta place, j'éviterai de boire de ce truc-là. C'est du poison. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la haine. De la haine? Si tu n'y prends pas garde, ça va te ronger peu à peu jusqu'à ce que tu disparaisses complètement. Ah, mais j'ai retenu la leçon! Enfin, je crois. Oh. Échapper à Dieu, je ne serai pas là en ce moment. Bien sûr, tu regrettes maintenant. Tu es pire qu'un serpent, tu es un ver de terre. Et oui, serpent à pattes, tu es des nôtres à présent. Non,
Je ne serai jamais l'un des vôtres. Jamais, non. Jamais. Je fais ma soumission au Seigneur. C'est en Dieu que je trouverai le salut. Je suis vivant. Merci, mon Dieu, grâce à vous, je suis sauvé. Jonas. C'est vous, Seigneur ? Bien entendu. Et je te le demande à nouveau. Va à Ninive et préviens-les tous qu'ils seront anéantis s'ils ne changent pas de conduite. Oui, Seigneur, je vais y aller. Cette fois, je ne vous laisserai pas tomber. Dieu a dit que les habitants de Ninive seraient anéantis s'ils ne changent pas leur mauvaise conduite. 3 jours plus tard, Jonas atteignit enfin les faubourgs de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. C'est ce que nous avons de mieux à faire. Nous arriverons en sens opposé, là où les Israélites ne nous attendent pas, puis nous lancerons l'attaque. Et nous leur infligerons une nouvelle défaite. Bon, on m'a dit qu'il y avait de l'or caché sous leur simple demeure. Cet or sera à nous. Ninivite, prenez garde à vous. Dans 40 jours, vous serez anéantis. Repentez-vous. À moi. Il n'est pas à toi, je l'ai trouvé le premier. Tout ce que tu veux, c'est me le voler. Jean de Ninive, vous allez tous être anéantis. Repentez-vous. Attends. Écoute ce qu'il raconte. C'est une ruse pour mieux m'avoir, hein? Non, je te jure, je crois qu'il vaudrait mieux l'écouter. Dieu est en colère après le peuple de Ninive, et si vous ne vous repentez pas, vous serez tous anéantis dans moins de 40 jours. Tu as entendu ça? Nous avons offensé le Seigneur. Fais-moi plaisir, prends le chameau, il est à toi. Non, je n'en ferai rien, il est à toi. Et s'il était à nous deux? Voilà une bonne idée. Ah, regardez-moi ces gens de Ninive, incurables. Pourquoi Dieu leur accorde-t-il sa pitié? Ce ne sont que des voleurs, assassins, rapaces, qui n'acceptent de se repentir que lorsque Dieu les menace de les anéantir tous. Ah, et je suis chargé de les mettre en garde parce que Dieu me l'a ordonné. Mais j'y pense, ils ne vont peut-être pas se repentir et Dieu les châtiera en fin de compte. Oui, c'est ça qu'il a derrière la tête depuis le début. Oyez, Dieu a dit que les gens de Ninive seraient tous anéantis s'ils ne se repentent pas et s'ils ne changent pas leur conduite coupable. Tiens, vous semblez être d'une humeur assez inhabituelle. Si fait. Bientôt, vous serez plus riche que vous l'imaginez. Oh, bonne nouvelle. Je commençais à me lasser de ces vieux bijoux points jetés. Aussi bête que maladroit. Mais vous avez dit bon à jeter. Comment oses-tu t'adresser directement à moi, qu'on les jette au cachot? Chère épouse, comment trouvez-vous cette pierre? Elle est véritablement ravissante. Nous allons en avoir d'encore plus belles par milliers. En ce moment même, notre merveilleuse armée s'apprête à envahir le sud. Nous allons terrasser l'ennemi israélite une bonne fois pour toutes. Divine surprise. Le peuple de Ninive sera anéanti.
anéanti. Repentez-vous. Oyez, oyez. Crime de lèse majesté. Qu'on arrête cet homme sur le champ et que l'on convoque mon conseil. Oh. Oh. Le peuple de Ninive. Qui es-tu et qui t'a donné autorisation de dire des choses pareilles? Parle. J'écoute. Dieu m'a dit d'avertir les gens de Ninive de changer de conduite. Ou ils seront anéantis. Anéantis? Il vous ment, monseigneur. C'est un espion envoyé par les Israélites. Nous allons voir. Ah! Pourquoi devrais-je te croire? Pourquoi moi, un enfant d'Israël, prendrais-je la peine de vous mettre en garde? J'accomplis la volonté du Seigneur. Enfin, votre majesté. Je te crois, mais... si je m'aperçois que tu m'as menti, je te ferai exécuter. Apporte-moi le plan de bataille. Si Dieu est mécontent de nous, nous changerons de conduite. Et nous implorons sa pitié. Ninive. Nombre d'entre vous ont entendu cet homme livrer l'avertissement divin. Nous devons abandonner notre mauvaise conduite et implorer la pitié de Dieu. J'ai dit. En signe de notre repentir, chacun observera le jeûne et se couvrira de toile à sac. Papa, pourquoi vous habillez avec des sacs? Parce que c'est le symbole du repentant. Voilà tout. Votre robe de toile. Non, attends, ne t'en va pas. Dis-moi, n'ai-je pas été une souveraine trop dure? C'est-à-dire que... J'ai compris. Passe-moi la robe de toile. Va voir les geôliers. Et dis-leur de libérer mes deux serviteurs. J'y cours, Votre Altesse. Merci pour eux. Dieu ne peut pas les épargner. Ce serait une honte. Ne craignez rien. Grâce à votre repentir, je serai miséricordieux. Ce n'est pas juste. C'est une honte. Comment peut-on accorder le pardon à un peuple de païens? Je préfère être mort. Jonas... Que faites-vous de mon peuple, les Hébreux? N'a-t-on pas droit à la vengeance après tant de souffrances? Jonas, as-tu raison de te fâcher? Si je comprends, Ninive sera anéantie quand même? Eh oh! Eh, répondez-moi! Thank you.
Je ne bougerai pas d'ici tant que Dieu ne sera pas revenu sur sa décision. Pas un coin d'ombre, pas une telle chaleur. Comme j'aimerais m'abriter des ardeurs du soleil, et je suis mort de fatigue. Ah, mais c'est merveilleux. Peux-tu me dire d'où tu sors? Ah, maintenant je me sens comblé. Je ne crains plus la morsure du soleil, à l'abri des palmes de ce ricin. Et je reste convaincu que d'un moment à l'autre, les Ninivites périront jusqu'au dernier. Jonas, tu n'as toujours pas appris le sens de la miséricorde. Hélas, je dois te donner une autre leçon. Oui, Vermisseau, fais ton travail selon mes désirs. Oh non! Mon bel arbre, mon abri! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh mais... Mais qu'est-ce qui t'a détruit aussi subitement? Quelle vilaine chose a provoqué ta mort? C'est trop horrible. Oh non! Et d'où vient cette lueur? Cette lueur aveuglante? Je n'y vois plus! Non! Oh, quelle horrible douleur! Quelle souffrance! Inhumaine! Ah! Oh, j'ai trop mal! Je ne peux plus endurer cette paix! Jonas, quand apprendras-tu? Tu pleures la mort d'un seul arbre et malgré tout, tu souhaites la destruction d'une ville entière, peuplée d'innocents, d'enfants à peine en âge de marcher. Jonas, quand puiseras-tu le pardon et la miséricorde dans ton cœur? Pardonner? Moi? Oui, Jonas. Toi. Dis-moi, où est la maison de tes parents? Ben, quelque part dans Ninive. Arrête de pleurer. Je vais te ramener chez toi. Veux-tu que je te raconte une belle histoire en chemin? De quoi ça parle? Ah, c'est l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson géant. Et c'est ainsi que Jonas a fini par apprendre à délivrer son cœur de la haine.